sont les vêtements de papa? Oh. Oh? J'ai entendu quelque chose? Hein? Oh, non, c'est quoi ça? Je suis riche! J'ai un trésor. Waouh! Je sais pas combien d'argent c'est, mais c'est si beaucoup, beaucoup! Je peux acheter tout, 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 tout! Un nouveau. Plein de jouets! Julien! Somme de la même, je suis une magnifique sorcière. Julien! Je vais faire des tours magiques. Ah, mais. Julien! Et qu'est-ce que tu fais? Emma? Rien. Rien, je suis pas une belle sorcière. Non, non, non. Et pourquoi? Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre d'ailleurs? Je sais pas, mais. Mais. T'as entendu que tu disais que t'étais une belle sorcière? Non, j'en suis pas une. Non, je suis méchante sorcière. Hein? Oui. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es pas censé rentrer dans ma chambre comme ça, là. Sans te demander en plus. Mais. Je t'ai ouvert. Et regarde ce que j'ai trouvé. C'est beaucoup ou pas? Tu crois on est riche? Mais où est-ce que vous avez trouvé ça? Enfin, t'as trouvé ça? Ouais, je sais pas, ça doit pas être beaucoup d'argent. Je pense qu'on peut acheter. Ouais, une glace ou du chocolat chaud. C'est pas beaucoup. Bon. Je pense que c'est pas beaucoup. Ok. Mais on peut demander à maman. Peut-être qu'elle peut nous amener au centre commercial pour acheter quelque chose. Oui, peut-être. Mais je ne pense pas que ce soit beaucoup. Bah. Ouais, tu peux. Ouais, une petite glace, oui. Martin! Tu viens, s'il te plaît? Oh, me dis pas que. Oh, mais il y a tes fans qui arrivent une fois par mois et. Wow. Bon, tant pis. Mais calme-toi, tout est prêt et. T'inquiète pas, hein? Regarde ce qu'on a! On a trouvé un trésor! Il y a Emma qui est riche. Hein? Mais d'où vient cet argent, Julien? Bah, je sais pas d'où ça vient. Emma? C'était son lit! Oui, c'était son lit! C'est pas beaucoup d'argent, hein? Maman est pas riche. 200 euros? Sous le lit d'Emma? Non, c'est pas beaucoup, beaucoup d'argent, non. T'as vu, je te l'avais dit. C'est pas beaucoup. Puis je peux pas encore lire ces chiffres. Oh là là, mais je crois que j'étais riche. Bon. Mais alors du coup, je pourrais acheter quelques bonbons et une glace? Non. Je vais peut-être acheter un peu de glace si tu veux, mais. Mais ça. Voilà. Hop! Et voilà, donc ça c'est. Je peux vous vendre ces deux glaces. Et ça va coûter le billet que vous avez. Hein? Oh, trop cool! Oh, trop trop bien! Les petits bonbons, c'est pas aussi bien que de crantes glaces. Ah oui! Mais ça change 200 euros. C'est Martin qui a encore perdu ça. D'où ça peut venir? Bon, faut. Je vais voir s'il n'y a pas d'autre argent. Faut que j'aille voir dans mon armoire. Hein? Ah, je crois que ça a sonné. Martin, tes invités sont là. Oh, merci pour l'invitation. Ah, j'en ai ma fille, Michelle. Hein? Qu'est-ce qu'il se. Comme ça, elle peut jouer avec Julien et Anna ou. Ça va? Bon. Tu crois qu'ils vont bien s'entendre? Oh oui, tu connais Julien. Oui, c'est peut-être en fait. Ah, bonjour Claudia. Merci de nous avoir invité. Tu connais ma fille? Ah oh, oui, je l'ai déjà rencontrée au centre commercial. Bon. Ok. Bon. Après, bon, tu peux aller venir jouer, puis. Faudra descendre juste quand on vous appelle. Et puis, tu peux même rester dormir, hein, si jamais. Bon, Julien, Julien, descends! Ok, Julien. Donc, du coup, d'où vient ça, cette baguette? Ah, mais je sais pas, Emma. Julien, tu peux descendre, s'il te plaît? Oh, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, j'arrive. Enfin, non, je viens pas. Je reste en haut. Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Mais sois pas comme ça. J'ai une invitée pour toi. Hein? On a de la visite? Mais qui. Ah non, pas Nicolas, peux-tu. Non.
C'est Michel, la fille de Stéphane. Donc, je voulais bien vous entendre. C'est pas sérieux. Non. Non, Julien, je suis ton père. Et tu fais ce que je te dis. Hein? Elle est gentille, c'est une gentille fille. Tu vas être sympa aussi. Oh, bon, bon, ok. Bon, viens, Michel. Merci, papa. Je te la rendrai. Oui, mais oui. Allez, amusez-vous bien. Bon, d'accord. Hé, Michel, je suis Julien. Donc, t'es la fille de Stéphane. Elle fait plein de trucs super. Bon, poum, poum. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle fait? Moi, je vais dans ma chambre, j'ai rien vu. Et je pue ou quoi? T'es un chien? Oui. Et toi? Et moi, je suis Julien, je suis un homme. Oh non, 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 ça va pas nous, c'est papa! Reste là. Hein? Papa! Mais elle a un problème, cette fille. Mais, oh, s'il te plaît, sois gentille, Julien. Oh non, mais elle se comporte comme un chien. C'est pas possible. Julien, sois sympa, s'il te plaît. Mais ça va être compliqué, je peux pas parler le chien, moi. Non, tu joues maintenant avec Michel, et c'est tout. Ok, ok, ok. Mais je veux jouer avec Michel, mais pas avec un chien. Chut. Et oh, ouf, sors de mon lit. Ouh, ouh. J'ai marqué mon territoire. Ah, quoi, non, va-t'en, sors de mon lit. Oh, c'était juste une blague. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je sais pas. Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, non, pas encore. Oh, j'ai une super idée. On peut échanger vêtements. Tu vas être super belle en plus avec mes vêtements. Et moi, super. Ah non, jamais. Non, mais c'est quoi ces idées? Ah. Mais allez, t'es vraiment pas trop. Bon, ok. Mais attends. Hé, Emma. Oh oui, j'arrive tout de suite. Elle m'appelle. Mais je n'ai rien entendu, moi. Oh, je le sens peut-être pas bon. Oh non, non, c'est pas possible. Emma. Emma. Ah, non, vraiment, tu dors? Je dors. Oh non. Oh, super. Je dois m'occuper tout seul de Michel maintenant. Oh. Moi, je veux bien, mais des gens chiants, ça fait bizarre quand même. Oui. Michel, ah, quoi, vous êtes devenu complètement dingue? Mais... Ah, c'est super. Ah, je crois, j'ai besoin des roues, là. Et quoi? Ah, mais non, mais je croyais que tu n'en avais pas besoin. Oh, mon Dieu, non, c'est pas possible. Bon, j'espère vraiment que Michel et Julien s'entendent bien. Non, non, je pense qu'ils vont vraiment être parfaits tous les deux. Ils vont être meilleurs amis. Ah, tes cheveux sont bizarres. Oh non, non, oh non. Oh, oh, oh. Oh, mon Dieu.